Je suis nouveau, c'est quoi le jeu gratuit? C'est mon compte free to play sur Hearthstone qui n'a pas dépensé 1 euro, qui n'a pas dépensé d'Amazon Coin ni rien du tout et qui est du coup gratuit car il n'a pas mis d'argent sur le jeu. Et oui, du coup il est free, il a tout compris. Tandis que cet homme regarde Twitter et joue contre un Mirror d'Uther. Uther, Pendragon. Alors, tac, 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 oui. Bonne main. C'est quoi la peinture derrière toi? C'est le SWC, c'est pas une peinture, c'est une photo, c'est le SWC il y a 10 ans. Par contre, le méga pack, oui, le méga pack, il a 79 euros. Le méga pack, il a 80 euros, donc soit 79. En France et en Navarre. Le méga pack avec méga radia rose. Tu passeras à l'arma cup, mais non, je pense pas à ce qu'ils disent. J'ai rien à y faire. J'ai pas d'OPSP, ni rien. Donc, ça me paraît fort peu probable que j'y sois. En toute honnêteté. Ne mentons pas aux gens. Je ne pense pas être à l'arma cup. Là, comme ça, il y a plus de chances que je ne sois pas cool. Perso, j'ai pris le méga pack. Ouais, ben, l'extension a l'air cool. L'extension a l'air vraiment cool. On verra bien. C'est une bonne extension pour joueurs fun. Après, wait and see. Hein. Peut-être qu'on va être déçu, que ce sera pas aussi bien qu'on se pensait ou autre, mais pour l'instant, ça a l'air sympatoche. Ouais, moi j'ai pris l'ex. Moi j'ai pris le. Pour le jeu, j'avais jamais utilisé Amazon Coin avant. Du coup, là j'ai pris celle à. J'ai pris celle à 50 pour 35. Enfin, celle à 45 pour 35. Plutôt value, ça fait plaisir. Alors, trade. Maillet. Maillet, ça trade tout, on perd rien. C'est quand même solide. J'ai beau le faire dans tous les sens. Le fait d'avoir 3 créatures, 2 créatures à... et à 0 et une arme à 0, c'est juste trop bien. Que penses-tu du nouveau tuteur druide? Que c'est absolument pas utile le nouveau tuteur druide parce qu'il y a juste déjà trop de. Oh. Trop de cartes, trop de trucs qui fonctionnent en druide, il en a pas besoin en fait. Actuellement ça lui apporte rien. Voilà très honnêtement ce que j'en pense. Oh. On sera craqué sans fin de partie. Allez, on met ça là, et ça permet de setup un bon frangimentien next turn. Bah, moi, d'accord, le jeu du Seigneur des Anneaux. C'est prévu le 28 août, il est prévu. Il a été annoncé pour le 28 août pour l'early access en gratuit. Voilà, la boutique, c'est tout. Hmm. On prend le double trade pour l'instant, pas trop le choix. Bah, tout trade, peut-être sur une faveur divine assez vite. Tu joues but de pierre et pas déchireur. Je joue 2 buts de pierre en déchireur. Je peux envoyer le lien à Modo pour l'offre Amazon. Je crois pas qu'il y ait de Modo en fait. S'il y a Modo, je dirais oui, mais je crois pas qu'il y a un Modo. Je crois pas qu'il y ait de Modo. Sur le chat actuellement. S'il y a un Modo, qu'il se dénonce. Si je dis pas d'adri, il y en a pas. No modo no cry. No modo no cry. I remember. De toute façon, les streams de Marmotte, c'est toujours des streams no modo. Les modos, c'est à bout. On en viendra tous à bout. Ah, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui se passe avec les Amazon Coin? Ben, comme chaque précommande d'Hearthstone, ils font des offres. Voilà, tout simplement. Ni plus ni moins. Comme avec chaque précoderstone, ils font des offres pour que si tu n'en es jamais utilisé, tu payes ton extension avec 15 euros de réduction. Non mais regardez, s'il n'y a pas de modo, il n'y a pas de ban. S'il n'y a pas de ban, il n'y a pas de problème. C'est QFD. On n'y pense pas à ça.
C'est bien que ce n'est jamais le chat le problème, c'est bien que c'est toujours les modos le souci. Ok. C'est droit à 4. On va faire un test Nick Trunks. Ah oui, regardez. Si vous n'êtes pas timeout sur un Nick Trunks, c'est qu'il n'y a pas de modo. C'est le meilleur test sur la JVTV à faire. Quel est ce jeu sur Lord of the Rings? Ce sera un jeu de cartes coopératif où vous jouerez du coup contre l'ordinateur et non pas contre d'autres joueurs, qui est prévu pour le 28 août et qui est une adaptation du jeu de plateau sorti par Asmodée. Voilà, en France. Distribué en France par Asmodée. Qui doit être un Fantasy Flight Game. Et voilà, il n'y a pas de modo, la preuve, Nick Trunks passe. C'est pas la meilleure preuve qu'il n'y a pas de modo. Lâchez-vous! Il est en vacances en plus! Trunks en vacances! Là, mais en vacances, vous êtes safe! Vous ne craignez rien! Pas de risque, c'est moins fun. Oui, après, dis-toi que c'est moins fun, mais tu peux profiter aussi de cet instant de libération, tu peux le spam ou tu ne pourras plus pendant 12 mois. Eh oui. Tu pourras faire le mode aventure et le donjon gratuit si tu passes le pour trône de glace et le premier donjon. J'ai que le trône de glace, j'ai pas de donjon avant le trône de glace, merde. Merde. Quelques verres, attendez. Attendez, réflexion. Lumière, allume-toi. Il n'y a pas de donjon avant le trône de glace. C'était quoi avant le trône de glace? Je ne sais plus. Je ne sais plus. De nouveau le contrôle du bord, c'est très bien. Tu pars en vacances cet été? Je pars 3 jours à Metz la semaine prochaine. Voilà, ce sera mes vacances. À Kobold des Catacombes? Mais Kobold des Catacombes, tout le monde peut le faire, Kobold des Catacombes. Karazhan? Ah, mais j'ai pas Karazhan. Avec Jean Gratuit. Il n'a pas Karazhan, il ne peut pas le faire. Kobold des Catacombes? Jean Gratuit n'a pas de raison de le faire. Ça change rien. Genre, si vous voulez des tutos pour Kobold des Catacombes, il suffit de regarder tous les speedruns que j'ai fait. Karazhan, il l'a pas, Jean Gratuit. C'est trop cher pour lui. C'est bon, c'est GG, je pense. Jean Gratuit va t échanger de deck prochainement? Eh non, ce sera... Oh, merde. Normalement, le dernier jeu de Jean Gratuit. Théoriquement, le dernier jeu de Jean Gratuit. Parce que théoriquement, il est censé passer les gens de ce mois-ci, après, RIP Jean Gratuit. Et s'il ne passe pas les gens de ce mois-ci? Oh, ça va. Mais bon, je le rejouerai plus tard. Après mi-octobre, grand max. Oh merde! On a quand même gagné, mais oh merde! On a failli la perdre! On est à 3 fois rien de la perdre cette game. Elle était ouf! En donjon, il y a Nax, Blackwing et Cardano. Oui, mais il faut les payer, ces donjons. Ils sont pas gratuits. Ah, le problème de jeu gratuit, c'est qu'il a qu'un jeu par un jeu. Genre toi, si je veux aller dans un extra match, je crois pas que je puisse y aller maintenant. Genre toi, si je fais ça, on va relancer une quête useless. Je vais dans l'aventure. Toi, je peux pas accéder. Karazhan, déjà, je les ai pas. Parce que là, les ailes sont pas gratuites. Mais tout ce qui est avant, Karazhan ou autre, je peux pas y accéder. Il y a que le trône de glace que je pourrais faire avec Jean. Effectivement. Et encore pendant pas longtemps, parce qu'après il va. Ah non, il va pas disparaître, il va essayer de disparaître après aussi, je pense. Non, il va pas disparaître le trône de glace. Vu qu'il était pas payant. Adversaire convenable. Valyra Karas. Oh.
une main lolilol. On va absolument relancer les 4 cartes car Jean désire avoir des T1 absolument. On a le Malien, chef de raid à gagner. Où est le T1? Il y en a comme 10 des T1 dans le jeu. Baku contre Baku. Et le maillet qui nous boucle les livres. Malheureusement, on n'a pas de terre. On va devoir. Ouah, je veux dire, on va devoir pièce. Pièce T. Pièce pour R.E.X, c'est toujours chiant. C'est bon, lui. Et il doit empoisonner dessus. Ça lui fait utiliser un stack d'armes. Magnifique tranchelienne pour tantôt. On fait 2 tokens. On va voir ce qu'il nous propose, le malinois. Ok, donc on a un tour, on peut faire la protectrice. Les 2 tokens. Allez, face. Et pour l'instant, on a 3-3-3 au prochain tour. Donc c'est cool. Et normalement, ça ne joue pas d'éventail de couteaux chez Keras. Elle a éventail de couteaux. Nande. La droite. Ok, ça change rien du tout. C'est un peu chum comme play. Enfin, je veux dire, ça nous permet de faire ceci. Pièce. Ça. J'ai l'impression que c'est un peu zéro et que du coup va prendre le gain de niveau de sa vie. Et ça va bourrer. Le gain de niveau. Et voilà, ça abandonne sur le T3. Allez, le T4. Olé. Ouais. Mon projet. Le projet de Jean. La victoire en tout. Oh, Nemsi. Ah! Je vais te mettre des claques. En plus, c'est un Raptor. Avec un R majuscule au bout et à la fin. Un Raptor relou. Peut-être dissident en plus, on ne sait pas. Car elle joue Hearthstone. Là, c'est le plus en d'attaque. Oh, ça joue soit zo, soit cube. Soit chelou. Mais pas paire. Très, on est très content que ça ne joue pas paire, d'ailleurs. Ok, ça joue. Marmotte, le feu du matin. I've got the fear. Alors, on met le point. Qui met le point? Ah, des enfants. Qui joue gaiement speedrunnant? Ouch, ok. Le trade est type par 4, 5 tokens. 4, 5. On prend le trade pour éviter le deal. Je dirais. Il y en a vu. Ah non, c'est le ventilo. Oui, c'est la clim. On a Webedia, il y a de la clim, c'est le ventilo. Oh non, pas la goule de ta mère. Pardon. C'est-à-dire qu'on n'aura qu'une créature au prochain tour en faisant ça, et en faisant ça, on n'aura qu'une créature au prochain tour. Zéro. On va prendre des bons trades, quoi. Si on prend la 4-5, c'est l'enfer. Au tour 5. Il faut pas mettre le micro dans... Ah, mais le micro n'est pas dedans, le micro il est là devant vous. Hein. Le micro il est... Ah, vous le voyez pas, le micro est là. Le seul micro... Il est juste devant moi, le micro. Donc il est pas où il y a le ventilo. Allez, tout droit, va tout droit, t'es zéro. Tu vas dans ma gueule, dans ma gueule, dans ma gueule, gueule. Oh, merde, dans l'S2. Ah oui, dans l'S2, c'est fou. Bah, Fongi, en fait. Hein.
On se dit que ça prend le contrôle, qu'il a peut-être pas envie de faire la 4-5 à ce tour-ci parce que c'est un peu faible. On peut avoir la Last in the Jungle, clin de gain, un truc, je sais pas. Tente des trucs, quoi. Je sais pas, je tente. On peut se dire qu'elle aime la saucisse également. Ah merde! Attendez, je vous vois plus. Comme ça, aucun signal! Ah, c'est bon. J'ai l'impression que j'ai perdu le deuxième écran. Oh, le live tap, c'est ce qu'on voulait voir. Ouais. Intéressant. Dans la vie, même si des trucs n'ont pas l'air d'être intéressants, n'hésitez pas à regarder d'un air mystérieux et dire « Ce play est intéressant ». Là, il est de 1, ça va là. Donc déchireur. Imaginons. On déchire. Genre ça, ça va là. Ça, ça va là. Et on fait token. Très bien. Et au prochain tour, on a Tranchlian. Très bien. Quel est 7? On s'en bat les steaks. Quel est steak? On s'en bat le white. Ok, ça trade. Et on fait le Tranchlian. Tranchlian qui va faire ça là, ça qui va faire ça là, et ça, ça là. Très bien. Allez, on a le projet. Notre projet pas dégueu pour l'instant. Peut-être le 3-0. Perhaps the 3-0. Qui la buveuse c'est 0 et la victoire, la victoire, la 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 victoire, c'est bien, ouf. Alors trade là, on va là. Et voilà, il est plus qu'un, on a un full board. Et le GG de notre prochain, ouais, il peut pas revenir de ça. Il ne peut officiellement pas revenir de 6 créatures 3-3 taunt. Il n'avait pas eu la 4-5, il a perdu. Et nous avons cassé les pâtes au Raptor. Un petit, je veux dire, un Ogoshimirim, c'est pas ça. C'est quand vous faites une, quand la prise de judo. Je sais plus comment ça s'appelle. Et 3-0, Jean Fire this morning. This morning, Jean, it's incredible. Wow, amazing Jean tonight. Allez, non, je joue pas Flamme Infernale, Jozo. Un hippon. Non, c'est pas un hippon. Hippon, je vais être trop nu. Hippon, j'aurais vraiment me rappeler grâce à Jimeno Hippo. Un Mawashigiri. Merci, c'était Mawashigiri. Hippon, je me rappelle toujours d'Hippon grâce à Hippo. Mawashigiri. Merci beaucoup, Pimpingouin. Je peux faire un duel avec toi. Non, tu ne peux jouer contre moi que si tu tombes contre moi. Pourquoi tu joues pas sur mon compte? Mais c'est mon compte, c'est Jean gratuit, mon compte free to play. Qui doit passer les gendres gratuitement. Parce que mon compte pense pas être déjà les gendres. Ah merde, pour que ça c'est de la caille. Ouais, j'oublie rien. Let's go. Pourquoi Amazon Coin? Car les Amazon Coin que vous pouvez télécharger sur l'App Store d'Amazon vous permettent d'acheter la Precoder Stone moins cher que gratuit. Tout simplement. Genre histoire d'économiser de la thune en masse, genre 15€. Je suis désolé, Puket, je peux pas faire grand chose. Pour les coins, il faut que ce soit la première fois pour le faire. Même si c'est pas la première fois, vous avez d'autres offres. Vous avez 3 offres, bon, forcément de moins en moins intéressantes. Mais en fait, la première fois, c'est
moins tant de. C'est moins 15 euros. Et genre, la troisième offre, c'est moins 4 euros. Donc, dans tous les cas, vous gagnez un peu d'argent. Whatever. Genre, dans tous les cas, même si c'est pas la première fois, ça sera toujours quand même moins cher que. Que. Ok. Oh 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 oh, ta maman. La 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 la. Pardon. Pas vraiment ce que je voulais, ça. Notre aide juste hein, pour éviter un piège sur lui, mon sien. Bah, je comprends qu'il y a la pièce. Quel monde de slacker, ce mode entièrement d'accord. Justice nulle part, modo partout. Ou l'inverse. Oh bah pousse ce drôle là, de la S. Non, non, j'ai pas la pièce, c'est lui non plus. Alors ça, c'est le mec qui veut setup fondement ancien, mais à 1000%. Je ne suis pas d'accord. C'est Moba qui a taillé le lien, oui. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Vincent qui a casté la Sud Story Cup pendant 3 jours. Et qui va continuer aujourd'hui, je suppute. J'ose supputer. Qui ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Rien d'avant. Bonjour Aerosol du 78. Reste encore aujourd'hui, eh oui, courage. Courage Vince. Sois fort. Pense à l'argent avant tout. Oh vache! Quel deuxième call to arm? Salaud! Putain, il est fort le coquin. Call to arm T5, T6, il est solide. Du mal à se battre, il nous faudrait le tranche liane instant pour s'en sortir. C'est quoi le bruit du fond? Le ventilateur de Webedia! L'amalgame et le multimégazor. Ah, bouclier divin en plus. Ah! C'était vraiment un bon match-up si j'arrivais à prendre le contrôle du board et je l'ai pas du tout pris. Il m'a roulé dessus. Et j'ai perdu. Et je vais dans le. Culu. Ouais, j'ai eu les très mauvaises draws. J'ai les mauvaises armes, j'aurais voulu bouclier divin, c'était craqué, le plus en plus c'était craqué. Aïe aïe aïe, terrible Jean gratuit, la défaite. Défaite de Jean. Mais si, il y a la clim, mais pas dans le studio. Dans le studio là, t'as de la ventilation. Et c'est le ventilateur qui se brûle. Je sais pas comment l'éteindre le ventilateur. Il y a un tas de boutons sur le truc, mais rien sur le ventilateur. C'est ça. Regarde le marché. Ah, je peux descendre des stores. Oh, je peux peut-être descendre les stores là-haut. Attendez. Trop bien. J'ai bien, je peux descendre les stores de tout Webedia, comme un connard. Oui, je m'amuse comme je peux. Allez, Imper et Aiko, ils jouent quoi? Il joue rien. Pour l'instant, fabuleux. Un grand moment de bonheur. Allez, Jean, lâche rien. Préfère qu'il joue. On aurait préféré qu'il joue un pair. Bon, il joue pas un pair. Préfère qu'il joue Ral d'Agonie plutôt que Spell. Parce qu'entre piège et lâche les chiens, c'est trop tendu du fion. Allez, on va tout droit pour Eric à chaque tour. Comme d'hab. Yes, tracker, œuf, compagnon. Oh le Léoc, pas mal Léoc. Oh, ça va partir sur un grand trait du Léoc. Et on pourrait. Avec une monnaie universelle, tu contrôles tout. Oui, tout. Absolument tout. Et avec ce clavier magique, je contrôle l'explicite à le chat. Il fait clavier Logitech. Je crois même éteindre le PC, je crois. Oh merde! À 1, du coup, il joue spell.
2, il a ni la chien ni piège explosif. Posons les vraies questions, quoi. Allez, comme ça on a full board. La bière associée à tout. Jusqu'à 2h du matin. Après, non. Pendant que Top Top qui m'a ajouté il y a 2 semaines. RIP, Top Top. Hein, je peux parrainer des amis. Oui, parrainons des amis. La frappe. Ok, frappe. Ah, c'est 0, c'est son. Il est un peu. C'est pas ouf en fait ce qu'il nous fait là. Depuis tantôt. Oh, le top deck incredible from the French jungle tree player will coming go to the face of the opponent. Anti-5. Fabuleux. La victoire, la concession de Aiko. Aiko brisé, Aiko détruit, Aiko. J'ai installé la sonde sur mon Android. C'est un bon début, Kill the Geezer. Tu as raison. Ensuite, je dois faire quoi? Alors oui, tu parles des Amazon Coins. En fait, tu vas sur Google. Tu tapes Amazon App, pour Amazon Application. Tu installes ton Amazon Application. Tu commences déjà par désinstaller Hearthstone. Tu commences par désinstaller Hearthstone. Tu installes Amazon Application. Ensuite, par l'Amazon App, tu installes Hearthstone et ça te donne ainsi accès aux Amazon Coins pour pouvoir les acheter. Et tu peux aussi faire ça, il va être évidemment avec, sur un PC, tu peux aussi faire ça en utilisant genre un truc genre BlueStack ou Nox pour utiliser un émulateur. Ok. Bon, c'est ce qu'il joue. Oh, ça c'est sexy. Bah parfait, alors Kill the Geezer. Incroyable. Si tu as compris, je ferme ma grande mouille. Et je te laisse faire. Trade 4. Ouf. Ça fera token, flamme-teint, double vert au prochain tour, on aime. Yo, BG du Cantal. Quel BG. Allez, ça va trade. Obviously. La 2-1. Obviously. Je suis Mému en émulateur. Je connais pas Mému. Donc je ne. Je ne m'amuserai à rien, je ne connais pas Mému. Et vous savez que même moi, est-ce que ça vous arrive, quand vous faites des blagues, de vous dire putain, je suis trop con avec mes blagues? Ça vous est déjà arrivé de faire des blagues tellement zéro que vous avez honte de vos blagues? Moi, ça m'arrive tout le temps. J'aurais dû prendre le trade sur la ça. C'est quand le prochain tour Vest Marmotte? Wuno. Oh 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 oh, de la merde. Le mec c'était auto-hype tout seul. Il était là, ouais, le top deck. Top deck de mon cul sur la commode. Ouais. Ça commence à m'amuser bien. Gros grizzly. Prenez une petite arme, un truc. Frappe latérale de sécurité. Quelle est 7 à 2 mana. Cire à l'arc. Pas mal non plus. Okay, ça c'est fort. Permet de faire 3. 4, 5, 6, 7, de faire ça, et enfin d'aller mettre les premiers points de la game. Et pour l'instant, prochain tour, on peut faire token, gain de niveau pour avoir 5 créatures qui peuvent mettre 4 face chacune. Ce serait cool.
Et pour l'instant, elle a genre eu tout eu, quoi. L'enchaîné, le rampeur, la frate, Syrah l'arc. Ok, il en fait un premier tour faible. Oh. Strictement moins fort que ça, ce tour-ci. Ouais, pas de value trade à prendre. Par contre, on le descend à 14, on a encore Fongimancien. Et pour l'instant, il n'en clean que 2, ce qui laisse pile poil 14 sur le champ de bataille. On essaie de se morquer, Pompiche. Ok. Rexar est chiant. Car on ne le tue pas. Et on ne reste que 9 points de dégâts sur le corps. On n'a que 13 points de dégâts sur le champ de bataille, là où il est à 19. Et donc c'est relou. L'entrée d'un. Il entrait d'un. Ah merde, on a même pas 19 à nous, on a beaucoup moins que prévu, j'avais oublié le Syrah l'arc. Ça solide. Genre ça met 4, 2 de plus et 4 au prochain tour potentiellement. On le descend à 7, on espère qu'il n'a pas un truc trop violent. Ah merde, elle a piqué trop vite, c'est pas bon pour nous ça. Quand un mec pique trop vite, c'est juste trop pas bon. What? Oh, la faveur divine! Oui! Bof. Non! De la merde. Du caca. Ta gueule. Et c'est du caca aussi. C'est pas mal. Et comment tuer? Tendu, tendu, tendu. Allez. Quoi? LOL! Allez. Under pressure. C'est vrai qu'il y a Redemptop dès qu'elle a gueule à tous les tours. Genre à faire des bêtes craquées. Tu peux pas avoir des bêtes de merde. Allez, des bêtes de merde. Putain, j'ai plus de bêtes sur mon portable. Les ventilos de l'ambiance, ah oui, c'est pour faire une ambiance feutrée. C'est quoi ça encore? C'est quoi ça? C'est de la droite, j'aime pas ça. C'est écrit par son arme. Ah non, c'est la vraie carte ça. Il joue Argus. Oh, j'avais l'étal sur l'Argus. Quelle femme de guenon. Allez, on va tirer. Du total Warhammer 2, sous le marmot ou pas du tout. Pas du tout, Kiyomishi, parce que 1, mon PC chez moi ne permet pas de le faire tourner sans lag. Et 2, parce qu'il y a l'extension d'Hearthstone le 7 et l'extension de WoW le 14.
Putain, mais quel toxique! Mais lol! Mais il a tellement de la chatte! J'ai envie de faire des choses méchantes à sa maman là. Même si je la connais pas, sa maman. Ça fait 4 fois que je me tape cette créature de dos, mais là, elle est toxique en plus! Il est cancer! Il est cancer, on en a marre! J'en peux plus! Un peu de droit croche. Je suis obligé de faire ça à cause du roi crush, sinon je meurs dessus. Il est juste meilleur que toi, Marmotte. Bah, il est vraiment trop meilleur que moi, qu'est-ce que j'y peux? Le roi crush, je le sauve pas. Pour l'instant, on a 10 soundboard. On a que 7 on board. Allez, c'est le moment. Le top deck. Le top deck. Je veux de la lumière. Il me faut de la chatte. De la chatte. Oui. 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 Le top deck. Le call. Dans ta mouille, pupiche. Parfait. Easy. Ah. Et 100 gold. Évidemment. Yes. Bien joué, Jean. T'es le meilleur. L'âme des cartes. Il me restait Leroy aussi dans le jeu. En vrai, j'avais 25%. Il restait un Leroy et ça. Oh merde, Gul'dan. Et on va le tirer absolument. Tiens, parfait. Le jeu Hearthstone rend violent. Le jeu Hearthstone rend violent. C'est un jeu qui rend fou, Hearthstone. C'est le jeu, il est fait pour créer de la haine. Genre vraiment, s'il y avait eu Hearthstone en 14-18, il n'y aurait pas eu besoin d'avoir l'assassinat. Il y aurait eu un meurtre. Une guerre à cause d'Hearthstone. Alors que c'est un jeu qui rend fou. Ça aussi, quelle est cette T2, ça rend fou, T1 même, pardon. Oh, il faut que je termine la game rapidement, faut que je ligne. Allez. Merde. Ouais. Non, pas la goule, please. Ta mère, il a chopé la goule et la 3-2. Quoi, la double goule? Mais va sucer des caribous, là. Je sais faire quoi?
un vertu allié. Oh, le rampeur de la droite, mais c'est un droitier de dingue! Le mec, il rend fou! Allez. 4. Et on prend le value trade là. Je vais juste capable à 4-5 en plus. Ou les screen cards en 4 fois je m'en sers, c'est beaucoup moins fort. Mais il va encore jouer sa carte de la droite! Les 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une créature de merde, la diablotin de flamme un peu. Le diablotin de flamme, nom de nom. Ou une de 1, docteur Vaudou. Mais vas-y, c'est pas possible. Non mais il est sérieux. Et quand vous que je devienne zen, moi, après ça. Il est juste trop fort. Il a quand même fait rampeur, seigneur, seigneur. Please. Harry, petit ange, parti trop tôt. Full top deck dès le départ, oui. On va voir si je joue Big Mage ou pas Big Mage. De toute façon, le mec 100% il avait ça. Pour qu'il dise bonjour. Elle est forcément le plan là. Si je pouvais ne pas prendre la butte, comme c'est qu'il vient d'arriver. Et toujours en étais-tu? Tu. C'est pas ouf ça en vrai. Ça va. Si double vert une lien D, le contrôle du board, on va pouvoir aller smoke. Ouais, contrôle, on a le contrôle, on te contrôle, on te contrôle. Ok, forge clé de Zarkane.
typhon jumentien un dé au prochain tour, ça va le faire. Allez, marmotte, allez. Allez, marmotte, allez. Ok, arcanologue. Allez, marmotte, allez. Allez, marmotte, allez. Laissez-moi m'auto-hyper. Parfait. Non, il peut pas jouer Dragon Fury. Il a joué Wyrm, Glyph, Secret. Il joue le truc qui. Il joue aggro. Et on s'en fout de l'aggro. 5. Ok, on a pas, il n'a pas l'étal. 4, 9, 12. 4, 7, 12, 14. Ok, c'est bon. Victory! Smork! Yes! On aime. Allez, gens gratuits! It's time to shine! Time to legend! Jade. C'est le même ou pas? Pas du tout. Wagaï Faverdine, donc. Dans le doute. Au cas où. Ah merde, Leroy Jank. Ils vont pas durer. Baku Baku et. Non, y'a pas de son en double. C'est toi qui dois avoir deux fois le stream, mais y'a pas de son en double. En théorie, il est pas censé avoir de son double. Qui va tout droit? Coucou Callboy George, tranquille. Ah oui, comme quelqu'un qui n'a pas d'électricité chez lui. Petit Tyrion 1D. Et retour. What pièce? Oh, ok. Je veux qu'il joue Big Mash, quoi. Le mec nous dit en lettres de feu, I play Big Mage. Il joue normalement qu'un seul Ocean Saronite. Ouais. Ouais. Ah. Oh. Voilà, on verra ce que c'est. Yop Elric. Certainement se prendre un souffle. Ouais. Je pars sur un bon vieux souffle des familles. Petit 4 points de dégâts, c'est suffisant. Allez, le Brobaku. Hein, que de la caille. On lui met deux pour lui faire croire qu'éventuellement on a le l'arme à 7 au prochain tour. Il y a encore beaucoup de PV par contre, malheureusement. Beaucoup de PV, beaucoup de cartes en main, sont pas des choses qui font plaisir. Ouais. J'ai pas une main très aggro. Allez, 6 pioches, on fera toujours des cartes pour faveur divine. Enfin, faveur divine, Leroy, Leroy, at Bene Bene. Bonne, bonne. Venez faire rêver, j'espère. Allez, ça draw, one time. Artificier, Blizzard. Ouais. Chef de raid inutile. De quoi devoir Tyrion.
sachant qu'il y a un mouton qui n'est pas pioché, qu'il n'y a peut-être pas le deuxième avec un peu de chance. Ah, le drôle, je suis chopé. Remet des bords, mais il aura gagné tellement de points de vie. Il est à 28. C'est comme s'il lui a fait aucun point de dégâts depuis le début de la game. Pas très plaisir. On n'a qu'une arme sur les trois. J'aurais dû garder mon coup d'arme pour taper là-dedans, c'est de ma faute. J'aurais gagné déjà 4 points de vie de moins, 11 points de vie de moins. Quel essai dans son jeu? Da fuck. C'est de la merde quand même, je crois. Oh, berk, tellement loose. L'artificier des enfers, je vais piocher aucune arme. Dommage. Tu joues un peu vite, non. C'est l'avantage de jeu, c'est que les plays sont rapides. Et ça, en fait, quand tu joues contre Big Match, c'est très simple. Big Match, tu sais que c'est la game dure, t'as perdu. Donc tu dois mettre tous tes monstres, aller le plus mort possible et prier. Mais tu peux pas jouer autour de ces spells d'AO parce qu'il y en a trop. Faut juste que t'ailles tout droit, que tu pries qu'il ait pas les réponses. C'est pas un match-up ultra complexe. Oh, Thrall, c'est pas bon non plus. Beaucoup d'AOE. Lumière, allume-toi, je te l'ordonne. On va garder un Flamme-Teint et le Fongime Ancien pour le T5, pour avoir des boosts de créatures. Ok, on a Vertutu. C'est souvent les match-up en opposition contrôle contre aggro. C'est très facile à jouer, surtout quand tu joues contre Big Mage. Oh, le bas coup de l'enfer, décidément, il colle à la main, c'est mort. Il donne pas envie d'être pioché. On fait le token, il joue pas à paire, il joue Carniflore. Je trouve ça bizarre d'avoir du mana chaque tour, je préfère vraiment Magic. C'est très marrant Black Sheep parce que tous les joueurs de Magic, notamment Richard Garfield, le concepteur, et disent que la mana Magic c'est vraiment le pire truc qu'ils ont inventé. Et que le nombre de games que tu perds ou que tu gagnes à cause de Mana Death ou Mana Fold est vraiment beaucoup trop importante. On va se morquer, hein, pour essayer de le forcer à faire pièce tempête ou autre. Est vraiment trop importante et que s'il devait revoir quelque chose dans Magic actuellement, c'est qu'il n'y aurait plus ces terrains. Parce qu'ils enlèveraient les terrains, ils trouveraient une autre solution, mais ils n'utiliseraient plus les terrains. Ils n'auraient plus. Parce que c'est vraiment trop... Ok, joueur choc, trop contraignant. Il y a trop de parties que tu perds ou que tu gagnes uniquement à cause de ça. Bon départ. Richard Garfield dit que son seul jeu de cartes qui mérite c'est Netrunner. Très très bon Netrunner d'ailleurs. T'as testé Eternal, je testais Eternal. J'ai testé Eternal, puis Magic Arena est sorti et du coup j'ai désinstallé Eternal. Non, c'est pas intéressant la conception. Je dirais sûrement la conception deck de Magic, c'est y a des règles bien établies. En fonction de ta courbe, le deck que tu joues, tu sais exactement quel terrain tu vas jouer en combien d'exemplaires. Je suis pas tout à fait d'accord que ce soit très intéressant, à mon sens. Ah, Tarim est cool. Prendre ce trade. Parce que concrètement, Eternal, c'est Magic en moins bien, en moins beau, en moins intéressant. Du coup, je laissais tomber Eternal. Et ça fait un life tap. Et on enchaîne très bien. Trade et retrade et on va remettre un face. On prend un volcan mais on peut pas jouer autour. 3, on peut pas jouer autour volcan. Hmm.
Aïe. Ça va. Encore deux air choc. Quel fiefé fait le. Tout est pas évident. Je pense que le meilleur tour c'est la recrue, le vertunnelier, un gain de niveau. On traîne à nouveau, on prend volcan, mais on peut pas jouer autour de volcan avec notre jeu malheureusement. Mais en fait, il y a des compétitions avec ce jeu. Avec quel jeu tu parles? Hearthstone? Oui, il y en a beaucoup même. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de championnats, soit d'Europe, que soit des championnats du monde par pays qui se déroulent en ce moment. Oui, il y en a beaucoup. Je vois moins ou moins le chemin de fer. Ce jour fort en ladder, eh non. Ce soit pas le chemin de fer, parce que tout le monde joue chemin de carnifère qui est souvent plus solide que chemin de pire. Et il réfléchit en tout cas. Ce que j'aime bien dans les terrains, c'est possible dans les terrains utilitaires. Mais en fait, cette câble, le fait d'avoir des terrains utilitaires, en fait, le problème toujours de Magic, c'est même t'as beau avoir des terrains, c'est le fait d'avoir des games. C'est le problème de Magic, le vrai problème, c'est de ces games que tu perds ou que tu gagnes parce que tu ne pioches pas de terrain parce que t'as trop de terrains. Et au final, c'est 20% des games quasiment. Sur les stats totales, c'est 20% des games. C'est-à-dire qu'une game sur 5, tu la joues pas, même pas parce que c'est l'adversaire fait mode sortie, uniquement parce que t'as pas ce qu'il te faut. Et je trouve ça infâme. Perso. Et je comprends que ça. Que ça ait gavé les concepteurs. Allez, on va voir. Espérons qu'à nouveau il est pas. Tu participes pas? Non, je ne participe pas. Je commande pour la chaîne Hearthstone France, mais non. Je n'ai pas de velléité à essayer de participer à ces championnats. Oh la chatte! Pour moi, c'est pas très de lui. Si tu fais bien ton deck, t'es pas en guerre de mana. Non, mais ça, c'est du pur mytho en fait. C'est si tu fais bien ton deck et que tu le mélanges pas, t'es pas en guerre de mana. Mais j'ai fait 10 ans de Magic compétitif en GP ou autre. Le fait, non, mais si tu mélanges bien ton deck, t'as pas de problème de mana, c'est du putain de mytho. Bien sûr que si, t'as moule problème de mana que tu mélanges ou que tu. Bien ou pas. Bah, surtout si tu mélanges bien en fait, t'as forcément moult problèmes de mana. C'est généralement ces personnes qui mélangent 2-3 entre potes et tout, qui mélangent pas vraiment, qui disent ça. Mais si, si. T'en as très souvent. T'inquiète pas, tu. Ou alors tu joues sans land, oui, mais ça faut jouer en vintage déjà. Que ce soit en moderne ou en limité ou en type 2. Clairement, si tu mélanges comme tu dois, mélanger durant les règles, t'as vraiment une partie sur 5. Allez, on va dire peut-être une sur 7 max, et encore. Ou t'as forcément le problème de mana dans les deux sens. Et en fait, tu peux dire ouais, mais si t'as pas de mana, tu peux dire ouais, mais tu joues pas une vraie partie en fait. Tu peux te dire, effectivement, c'est une partie de la stratégie de savoir gérer à Magic ces games quand t'as trop de mana ou pas de mana. Tu peux te dire ça, ou alors tu peux te dire la vérité, c'est que tu joues pas vraiment au jeu. Tu joues un ersatz du jeu où tu peux pas vraiment jouer parce que juste t'as pas ce qu'il faut. C'est chose extra. Sachant que déjà pour pas avoir de problème de mana, un jeu aggro maintenant c'est 24 terrains et t'as des jeux à 26, 27 voire 28 terrains. 3-9 on n'a pas l'étal. Voilà quoi. Le bail n'est pas ouf. Le bail n'est pas ouf. Setup de points d'écran en plus. Allez. Ah, Lance Legacy, oui, mais Lance c'est à 40 terrains à peu près. Statistiquement, t'as un jeu, c'est un tiers de terrain. Non, il te faut beaucoup plus qu'un tiers de terrain. C'est fini les gens qui jouaient avec 16 terrains et dans leur jeu et tout. Ça, c'est à l'époque où les gens mélangeaient pas vraiment leur jeu.
Maintenant, quand tu vois que pour avant de prendre une game, tu shuffles ton jeu limite pendant 5 minutes, et que ton adversaire après va le reshuffle pendant 2 minutes. Bon, on va voir s'il peut gérer ça. J'espère pas. À l'aise. À l'aise. J'espère juste qu'il n'y a pas volcan plus guérisseuse. Agatha. C'est l'enfer, Agatha aussi. On a l'étal sur Agatha, je crois. Yes! One time! Trop bien Land of Legacy. Oui, tu joues en Legacy. Tu peux jouer Land avec. Comment ça s'appelle? Dark Depths. J'aime bien ce que je joue en Legacy Dark Depths. D'ailleurs, où tu mets des 20-20, Marillage, qui est pour l'adversaire. Luther contre Goody. Bonjour Goody. Hi guy Goody. Bon Goody normalement il me fait l'amour avec les racines. On va essayer de se mordre, prier que ça passe, mais je crois pas trop. Merci Lyric Harum pour le sub. Pour le sub, la JVTV depuis 5 mois. Jean Gratu n'a pas beaucoup d'exomisé pour une nouvelle extension parce qu'il aimerait bien passer Jean d'avoir une nouvelle extension. Comment ça se fait que tu aies streamé du WoW sur la JVTV? Mais écoute, si Smoke, je stream ce que je veux. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Je stream régulièrement du WoW. C'est déjà la troisième fois cette semaine que je stream du WoW sur la JVTV. On peut faire de tout. Je fais de tout ce que je veux. Tout, tout, tout. Ben, dans ce temps, on s'enjaille. On s'amuse gaiement. Alors, Enedis, bonjour. Suite à l'incendie dans le poste RTE, vous avez été pris d'électricité pendant plusieurs heures. 17 heures. Nos équipes ont produit tous leurs efforts pour rétablir l'électricité au plus vite via le déploiement de groupes électrogènes. Il s'agit d'une solution provisoire et précaire. Merci, Captain Obvious. Merci de la mesure du possible de limiter votre consommation d'électricité. Et à ton avis, quand je stream, je limite comment la consommation? En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter. Ouais. Garde la pêche, quoi. Pour moi, j'ai bien streamé toute l'après-midi, et qu'est-ce que je fasse? Bon. Allez. En avant. Et badaboum. Toudoum, 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 toum, toum. Je trouve que les problèmes de mana sont graves présents dans le jeu vidéo Magic, mais en vrai beaucoup moins avec des vrais decks. Mais c'est parce qu'en fait Black Sheep, en vrai je pense juste que Twitter, oui, je pense juste qu'en vrai tu mélanges pas assez pour avoir les problèmes. Ce qui est normal, beaucoup de personnes font ça, notamment dans le cadre fun, parce que t'as pas envie de te prendre la tête, mais je pense que t'es biaisé par le fait que tu mélanges pas assez ton jeu, en vrai, tout simplement. Et que du coup forcément sur Magic, sur internet, ils utilisent les vrais algos. Et du coup, comme le jeu doit te mélanger théoriquement quand tu le tentes à un adversaire IRL, et c'est pour ça que tu vois, que t'as l'impression que t'as plus de problèmes sur internet qu'en vrai, c'est juste parce qu'en vrai, comme beaucoup de monde, tu joues avec tes potes, tu te fais pas chier, tu dis, j'ai pas envie de toutes mes games, il y a des problèmes de mana, ceci, cela, et c'est pour ça. Je pense juste que c'est ça, hein, vraiment. Mais à nouveau, ce qui est pas une tare, une insulte ou je ne sais quoi. C'est balayage et loose. De quoi tout droit. Les cartes de gros vont voir la karma boom. Non. L'année dernière. Pourtant, ça mélange au tas de 5 cartes. Là, typiquement, tu vois le mélange au tas de 5 cartes complètement interdit. Tu ne dois pas mélanger au tas de 5 cartes. Tu dois faire des riffle shuffle. Tu sais, les mélanges comme ça. Pendant plusieurs minutes.
Mais faire des tas, généralement, c'est pas très conseillé de faire des tas. Parce que tu peux très bien avoir trié ton deck et faire des tas justement pour voir comment tu le faisais. Oh la plaie, quel enfer. Mais à nouveau après, je suis pas là pour venir te prendre la tête en mode tu le fais mal, c'est une honte. Ça nique les cartes. Ça nique les protège-cartes, oui. Ah oui, tes protège-cartes de Magic. J'ai un paquet de protège-cartes de Magic. On va dire, si tu bourrines bien, ça te fait 2-3 tournois max. Ça nique pas les cartes, ça nique les protège-cartes. Ça, va pas vendre du rêve, oui. Oh, pas du tout létal. Je veux dire, le létal est... Malheureusement non. Voir ce qu'il fait. Ça t'a nulle part l'état. En fait, tu ne peux pas faire que d'état en Xomat, parce que si tu fais que d'état, l'adversaire va appeler l'arbitre pour dire peut-être que t'as trié ton jeu, parce que tu sais déjà comment aimer ton jeu avant. Si tu fais que d'état, ça marche pas. Tu peux faire d'état si en plus tu mélanges énormément derrière. Tu peux pas juste faire d'état. Ah mais non. Ça passe 9, c'est beau. Bravo Jean, tu l'as fait. Si tu fais que des tas, tu mélanges après, ça pas de soucis. Si si, parce que ça veut dire que quand tu tends ton deck à l'adversaire, tu peux connaître comment il est fait. Ça c'est complètement interdit. En fait, il faut que quand tu donnes ton deck à l'adversaire, il soit suffisamment mélangé pour que tu ne connaisses aucun ordre des cartes. Qu'il soit que tu donnes à l'adversaire à un jeu mélangé aléatoirement. Si tu fais que des tas, tu peux très bien avoir préparé ton jeu d'une manière où tu connais l'ordre des cartes après l'état. Parfait, on y croit. Rang 2, vas-y Jean. Allez. Vas-y Jean, allez, à poil, pas du tout à poil. Allez, on y croit. Non, en théorie, ton adversaire est même obligé de remélanger ton jeu. Il peut pas juste couper. L'adversaire n'a plus le droit juste de couper. Il doit mélanger. Avec tous les tournages que j'ai fait, j'ai jamais eu un souci. Bah après, en The Mad, je t'avoue que j'ai fait. Après, je sais pas quel type de tournage tu fais, mais je sais quand. Parce que maintenant, tu as plusieurs releases de niveau. Mais vraiment, si tu fais ça en Grand Prix ou en Pro Tour, je suis assez persuadé que ça se passe mal. Je suis complètement sûr en fait de moi que ça se passe mal si tu fais ça. On prend un Tyrion qui est juste meilleur avec l'arme pour tuer l'adversaire. Il n'y a plus de QT maintenant, ça. Ok, ça a changé, mais. Après, si tu fais des Friday Night ou des pré-release, c'est normal que t'aies pas de soucis. Parce que le but est pas de prendre la tête de tout le monde. À nouveau, je parle que d'un truc bien spécifique.
Oui. Parce que je vais pas te mentir, moi c'était à Nagoya, au Pro Tour Nagoya, j'ai vu un mec se faire DQ pour ça. Sur la. À deux tables à côté de moi, il y a un mec qui se fait DQ pour avoir mélangé, fait des tas et donné son deck à l'adversaire sans mélange derrière. C'était en 2012, il y a 6 ans. 2012, c'est ça, il y a 6 ans. Oh. Intéressant. Les loups. On a l'étage, on n'arrête plus Jean, une machine de guerre. Vas-y, bourre-le. Let's go. T'as entendu parler de Stormwind? Pas du tout, Footstealer. Nope. J'ai pas entendu parler de lien de tempête. Allez Jean, j'allais il lâche rien, encore 20 minutes de bonheur. Donne tout Jean. La puissance de du noir Jean en fait. La puissance du noir Jean, c'est Jean. C'est pour ça aussi que depuis tout à l'heure je suis un peu en mode ouais c'est comme ça, c'est genre vraiment parce que j'ai vu le mec se faire kick quoi. C'est un jeu de cartes mobiles qui est plutôt intéressant. Oh, je sais que je joue plus au jeu, je joue pas trop aux cartes mobiles pour l'instant. En ce moment, je suis beaucoup moins mobile qu'avant. Avant je bougeais beaucoup, maintenant je suis moins mobile. Le seul souci c'est que l'adversaire demande un deck check. Ah mais bien sûr, moi un mec fait des tas et me donne son deck, directement j'appelle l'arbitre pour demander une vérification. Ça, c'est immédiat en Xemad. Un mec fait des tas, me donne son deck sans mélanger, c'est arbitre instant. Je réfléchis même pas une demi-seconde. C'est arbitre. Oh merde! Là, 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 là. Ok, choc de flamme, c'est dans l'autre. Ok, Tranchlian qui pourra peut-être mettre des points. On va tout mettre tout droit pour l'instant. Alors, une trio, ça existe, les mélangeuses comme au blackjack sur la table de poker, mais c'est très cher. Ça tombe facilement en panne si tu fais pas attention. Mais ça existe. Allez, on va tout droit. Masse créature est tout droit. Ok, on va tout droit, hein. Oh, Migo de face, très vite et très fort, Migo de face. Elle me sort une explosion des arcanes vu des lampes des enfers. Oh, oh. 2, 3, 4, 5, 7. Elle est là. 4. Oh, la montée de niveau! Jean, top deck return gratuit! Ah. Tu fais pas du vintage? Si, je fais toujours du vintage. Moi maintenant, je joue plus qu'en vintage en Legacy avec un pote. Mais en vintage, genre, j'ai pas beaucoup de cartes. Genre, j'ai pas tous les mocks, ces trucs comme ça. Donc du coup en fait je joue avec des proxys. Moi j'ai un pote, il avait tout acheté quand c'est pas grand chose. Il avait payé comme 4000 euros son P9 et quelques autres cartes à côté. Moi c'était à l'époque où j'avais occasion, du coup j'avais pas une thune, du coup j'ai rien acheté. Et du coup maintenant c'est complètement hors de prix. Donc moi je joue avec des proxys, puis lui joue avec les vraies cartes. Et en Legacy, ben, justement j'ai un jeu.
Comment ça s'appelle, genre jeu Dark Depths. Ok, Jouzo. Ou cube. Je suis tellement horrible de faire ça, tiens, ça me saoule, mais bon. Quelle est cette? Du sang de l'acier surgit des doigts dans le fion. Allez. Je connais le Black Lotus à 1000 francs. Fin de tour. Et le petit docteur vaudou. Non, pas la goule de ta mère du T2. Mais c'est quoi ces deux chiens femmes? J'en ai marre. Laissez-moi rager, s'il vous plaît. C'est important. C'est pour mon équilibre vital, je me suis rendu compte qu'il fallait que je rage 3 fois par jour. On va tout droit. 4000 euros le P9, Sabarda, maintenant c'est quoi? 15-20 000. La Mox, tu vas la voir entre 5 et 800. 8, 16, 24, 34, 3004, le Black 6004. L'ancestral 6004. Ouais, t'as plus autour de 10 12 000 maintenant. C'est tellement loose. Si c'est pas un connard qui prend tous les trades, j'ai perdu. C'est quoi Legacy et Vintage? Vintage, c'est un format de Magic où toutes les cartes sont autorisées. C'est tout ça sorti depuis 25 ans. Vintage, c'est toutes les cartes autorisées moins un certain nombre de bannies qui sont trop fortes. Tellement une bonne main s'il avait pas ce. Genre ce T2 Wishat, le vaudou de la droite pour faire la goule est tellement infâme. Là, il était trop fort. Quel Saturn trop fort. C'est quoi le P9? C'est le Power 9. C'est, on appelle ça pour les 9 cartes les plus puissantes de Magic, entre guillemets. La déception! Jean, malgré son manque d'Amazon Coin qui est en train de se faire bolosser. La PLS est difficile. Everyday I'm bolossing. Oh, Garfield. Ah bah voilà, on parle de Magic, on parle de Garfield, Richard Garfield, le concepteur. I will fight with honor. Le P9, c'est le légendaire d'achat adverse. Non, non, c'est beaucoup plus fort. C'est des cartes sorties en 93 qui n'ont pas été rééditées depuis, où il y en a très peu dans le monde et qui valent beaucoup d'argent. La carte la moins chère du P9 étant aux alentours de 700 euros. En mauvais état, bien sûr. Allez. Bon, on connaît pas le nombre d'exemplaires exacts. Oh. En fait, on connaît pas le nombre d'exemplaires exacts pour une raison toute bête. On ne sait pas exactement combien ont été perdus, etc., etc. Du coup, aucune envie de refaire un tournoi Magic. Mais en fait, les tournois Magic ont un défaut incroyable, c'est qu'ils ont lieu le week-end et je stream les week-ends. Ah non, moi qui viens de Magic, Hearthstone c'est gratuit, hein, réellement. Hearthstone c'est... Quoi? Combien chaque extension? 100 euros? Il y en a que 3 dans l'année? C'est gratuit! Non, Magic c'est 4 extensions par année, à chaque fois de plus de 200 cartes. Et non, non, c'est pas le même rythme, c'est pas la même ambiance. Ça part sur le petit Funky Mancien. Et on va normalement rouler sur l'adversaire. Et normalement, parce qu'à tout moment, il fait glyphe et souffle ou bizarre, un truc comme ça. Si, si, il réédite des cartes magiques, mais pas les plus anciennes. Parce qu'elles sont trop fortes, de toute façon, en fait. Tout simplement. Ce serait comme Blizzard va pas ressortir Sylvanas à 5 mana. C'est trop fort. Et là, c'est pareil pour Magic. Hmm.
Wally, on sait ce qu'il y a donc. On sait que du coup c'est un contresort. Un fou! Ouais, c'est vrai. Non, non, Black Lotus, il y en a beaucoup plus que 1100 Zeblanche Claire. Je dois en avoir entre 15 et 20 000 minimum, voire peut-être même plus, je sais pas. Je voudrais compléter mon deck magique, mais je trouve plus les cartes. Comment ça, tu trouves plus les cartes? Qu'est-ce que ça? Qu'en trouves-tu plus? Sinon, le combat. Si tu manques des cartes, tu peux les trouver sur des boutiques en France, comme MTG France, comme Magic Bazar, ou si tu préfères du particulier à particulier, t'as Magic Card Market, le site anglais. Tu t'es vu un déjà comme Dracul viable? Oui, bien sûr. Yopgard Tenar. J'ai atteint Mirage et pas trop de retard, pas du tout. C'est là où j'ai commencé le compétitif Mirage. Première extension, premier jeu, premier truc compétitif. Eloy! Allez Zoltan, le host, bonjour Zoltan. Du coup Zoltan, j'imagine que c'est toi dans 9 minutes. Fabuleux. Fabuleux. Très bien. Marotte sans croix. Bah oui, si je suis ici, c'est que je n'ai pas de courant, sinon je serais chez WAM. Chez WAM, 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 WAM. Mon dieu, j'ai un snap. Qui est-ce? Gling-gling. Qui m'envoie, ce mec va crever. Très bien, gling-gling, je prends note. Dans la forêt lointaine, on entend le gling-gling. Regardez les chaleurs du vide, car si je joue pas un faire, c'est méga fort. Baku, le gobelin. Non, pas de coup, toujours pas de courant à cause de l'accident. Yeah baby. Ouais, allez, on va faire full board. Et qui va trade? Qui met le doigt? Allez, un petit coup de poire dans mon fion. Plein de petits monstres, on verra pour plus tard. Mais en fait, son générateur de secours. Dans un 26 mètres carrés, générateur, le groupe électrogène. En vrai, du coup, maintenant, je sais que si je devais habiter dans une maison, j'aurais un groupe électrogène. 100%, mais là. Petit groupe électrogène indé à Paris, c'est un peu plus complexe. To battle. Ouais. Tracker, notre tracker. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I stay, it would be trouble. Come on, don't let me smirk. Il y a deuxième marque. Nice. Oh. Ou aller. Devrait le faire. J'ai commencé Magic à 3 missions Burst Noir, j'ai arrêté à Forteresse, j'ai des milliers de cartes sur la case si je cherchais, j'ai déjà vendu double terrain. Ah, oh, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse,
racheter des cartes et tout pour faire des trucs comme ça, c'est tellement value. Genre, c'est plein de personnes qui ont des blocs et tout, qui se disent ça va pas grand chose ou qui ont pas envie de se faire chier. Tu rachètes tout pour à peu près à moitié du prix, puis après tu prends du temps, tu fais des plus-values. La base du commerce, quoi. Alors, on va tout droit. Qui met le smork? Allez, comme ça, l'avantage c'est que ça joue bien autour de Rexar. Sur Rexar, j'ai gagné, parce que Rexar, il fait très très trade, il a 9, du coup il reste 3, 6, c'est bon, c'est GG. C'est le GG! Le bloc Kamigawa était le pire de tous, oui. Le bloc Kamigawa, c'est... En fait, le bloc Kamigawa est sorti en même temps que WoW, et en même temps que le poker, et les deux trucs qui ont fait beaucoup de mal à Magic, c'est Kamigawa, c'est le moment où tout le monde se dit, mais Magic, c'est devenu dead game. Alors que pas du tout. Et le GG. Elles disent au combat, elles disent pas Makumba. Makumba. Elles disent au combat. Allez, petite victoire. Allez, 13h55, le temps d'en faire une dernière avec Jean gratuit peut-être. Makumba, il danse tous les soirs. Contre Rexar, ils viennent le faire rentrer dans son manoir, c'est un peu de la merde. J'ai pas de Dream en War. Allez. Nerf. En tous les cas, whatever, on a pris un niveau avec Jean aujourd'hui, une bonne journée. Sachant qu'il reste 3 jours. 2 jours. Ok. Il lui offre à boire. Ils veulent pas le faire rentrer dans son manoir. Quand il le voit, il lui offre à boire. Ouais. Sans moyen de dire, je vais t'offrir à boire. Allez, let's go. Je sais pas ce qu'il joue pour l'instant. Je sais pas si on prend de la chaîne des gars ou autre chose de style. Il le passe au hachoir. C'est bien ça. Quand il rencontre Exoir, il le passe au hachoir. C'est complètement validé par la street. Il le passe au hachoir. Ah, complètement bien ça. Complètement beaucoup trop bien ça. Ouais. Allez. Les plans de l'amour avant tout. Avant tout, nous sommes un homme d'amour. 2 minutes la game, Crégasme. Il est à 12. Il n'a rien fait. Le bolo sage est présent. Ah, c'est parce qu'on frappe latérale de sécurité. C'est le même chasseur, c'était déjà tyran avant. Ah oui, c'est tyran. Un tyran qui ne passera pas les vacances de Noël à ma compagnie. Allez. Passer à 3 contre le value trade. Le value trade est vraiment cool ici. Genre sur Rexar il me reste ça. Sans sur Rexar je vais plus rien. Après sur Rexar je suis vraiment pas bien. Oh, ok, ça va. Bueno. Bueno. Tu. Allez. Et ça concède. Écoutez, 3 minutes la game. 3 minutes la game, on a le temps de passer rang 1 avec Jean gratuit peut-être. On farme le tyran, le farme une dernière fois durant le stream à Zoltan. Il est temps de finir de le souiller, de passer rang 1 pour Jean gratuit pour la première fois de son existence peut-être. Quand on a une victime, on ne la lâche pas. Ah non, c'est un autre chasseur. C'est plus tyran, c'est un autre chasseur.
Allez. Très bien. Last game. C'est dur de s'arrêter sur une série de victoires. Toujours dur. Allez Léo. Allez Léo. Très bien, bon début. Ok, le pistache, du coup je joue soit Spell, soit Raldagoni. Pourquoi Stump Creep? Parce que c'est un demeuré. Ouais. T1, T2, T3, peut-être T4, Wait and See. Peut-être les décharges à cire à l'arc. Alors, et oui, la pub, toutes les heures, 14h à 14h03, c'est la pub. Que 3000 de pub sur la JVTV contre 5 avant par heure. Toutes les heures en automatique de 00 à 03. Je me demande, Léo ne sait pas. Ok, le serial arc qui pop. Et le second pistache, du coup le trade qui va être pris. On veut dire, mais c'est du World of Warcraft. C'est le jeu duquel est tiré World of Warcraft. C'est intéressant quand même. C'est intéressant, World of Warcraft, c'est MMO qui a tout repompé sur Hearthstone. C'est quand même bien de voir l'ancêtre un peu. C'est intéressant pour l'histoire. Comme ça, vous pouvez savoir d'où vient Rek'Sar, d'où vient Sylvanas, d'où vient Ragnaros. Vous connaissez leur histoire sur WoW, c'est-à-dire pris de Hearthstone. Ça vous permet de le savoir comme ça. Oh le porc! Ben, je trouve ça quand même plutôt cool. Sans Hearthstone, excuse-moi, sans Hearthstone, pas de WoW. Sans Hearthstone, pas de WoW, quoi. Vraiment quoi? Déjà ça montre bien le pouvoir des jeux de cartes. Ils sont inspirés d'un jeu de cartes pour faire un MMO. C'est plutôt cool aussi. Allez, on va le full smork. Ok, frappe latérale. On va mettre un vieux point là. Tire des arcanes en plus. Ça va encoder le bail adverse. Et le bail adverse, c'est très simple. On continue à aller tout droit. Petite protectrice. Inutile. Allez. On continue. Il n'y a plus qu'à 15. C'est fabuleux. Tu l'as mis à 14 ans. C'est ce que tu crois en fait. Enfin, genre, t'as l'impression qu'on voit à 14 ans, mais pas du tout. Tu dis ça parce que les graphismes de WoW, ils sont vieux, ils sont datés, t'as l'impression que c'est moche et tout, tu dis que c'est forcément 14 ans. Absolument pas. Tout le monde sait que les graphismes de WoW, ça date d'il y a 5 ans maintenant. Juste avant Hearthstone. Allez, on est plutôt pas mal. Et on va tout droit. Allez, si on lui met 4 points de dégâts, on a le kill avec l'héroïne externe, ça peut être cool. Là, par contre, on est d'accord, oui, le Lord de Vaux vient de Warcraft 3, évidemment. Le Lord Hearthstone vient de Warcraft 3, parce que Warcraft 3 était là avant Hearthstone. C'est évident. Est-ce qu'on a l'étal? 3, 6, 7, 13, il nous manque 2. Pas du tout top deck. 0 point et le top deck. Pas mal. C'est pas mal. Le roi Lich. Voilà le roi Lich. Breath of the Lich King. Il venait d'où le roi Lich? Il venait de Warcraft 3. Il venait pas de WoW le roi Lich. Eh oui. WoW n'a rien inventé. Il cherche la solution. J'espère qu'il la trouvera pas. Plus que quelques points de vie. Alors je vous rappelle, n'hésitez pas. Amazon Coin, vous tapez sur Android, vous allez sur l'App Store d'Amazon sur Android, vous installez Hearthstone par l'App Store d'Android et derrière le bonheur et derrière les économies 15 euros
d'économie sur la prochaine extension. On a peut-être le létal. On a peut-être le létal, c'est un taunt. Ce n'est pas un taunt. Allez, 2, 3, 6. Et on passe rang avec Jean Gratuit, c'est incroyable. Le passage rang 1. Jean Gratuit en fureur. Jean Gratuit le dieu. Très bien, ils passeront un peut-être légende avant la fin du mois. Quel homme ce genre gratuit, des gros bisous, je vous laisse en compagnie de Zoltan, on se retrouve mercredi matin pour du Hearthstone, à nouveau avec les Amazon Coins. Allez, ciao tout le monde !